Salut les amis, soyez les bienvenus sur JAID. Moi je vais bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons comme invité roulement de tambour. Salut, j'espère également que vous allez bien. C'est une vidéo relax. Une étude. Francis va me raconter 5 anecdotes et moi je vais lui raconter 5 anecdotes et il devra savoir quelles sont les vraies et quelles sont les fausses. Ça va péter. J'ai appris à conduire à l'âge de 10 ans. Je Faux. conduisais. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu crois pas que je conduisais à 10 ans? C'est faux. Mon cher ami, écoute-moi bien. C'est vrai. J'ai conduit à l'âge de 10 ans avec mon Avec père. quel permis? Non, je Dans quel t'explique. pays? Attends, je Où t'explique. ça? Dans quel pays? Je t'explique, demande-moi le temps. Explique. Je t'explique. C'était avec Ah. mon papa en Martinique. Et en fait, mon papounet chéri, avec ce qu'il faisait, il me mettait sur ses genoux. Et moi, je tenais le volant. Mais c'était devant la maison, on avait un terrain. Bref, en tout cas, ça fait un pour moi, zéro pour toi. Voilà. À ton tour. J'ai été videur de boîte de nuit. C'est faux. C'est faux. Allez, donnez-moi le point, s'il te plaît. Bah, rassure-toi, je te dirai un truc, attention. Et bah, Caroline, voilà, bah, attention, t'es ce que tu veux savoir? C'est que t'as jeté ou quoi? Ah, Caroline, en fait, bah, c'est vrai. Mais c'était évident. J'aurais su, tu m'aurais raconté ça depuis longtemps. Mais Moi, non. je vous dis déjà, parce que là, on parle beaucoup. Je suis sûre que j'aurais un sans faute. J'ai déjà menti à mon pasteur à l'église. Bon, dans les yeux. Les yeux dans les yeux. C'est faux! C'est faux! C'est Ah. faux. Ah. J'ai été vendeur de beignets. Je suis vraiment désolée, mais je connais l'histoire et je sais que c'est vrai. C'est vrai? Sûr? Je suis sûre. Bah, t'es vraiment sûr? Je suis sûre. T'es Je sûr? suis sûre. Bah, attention, t'es Deux pour vendeur de beignets. Caroline, un pour T'es Francis. vendeur de beignets là. Mais attends, c'était où? C'était au bled. C'était le type d'enfant là avec. Non, j'avais mon plateau plein de beignets là. J'avais ma sacoche, ma besace. T'as pas Tu souvenir avais de quel ça? âge? Hein? Tu avais quel âge? C'est gamin, hein? 7 ou 8. Non, c'est plus, hein, 12. Un truc comme ça. Avec la besace. Et genre, tu vendais beaucoup ou pas? Bah, je vendais. Tu avais beaucoup de clients ou pas? Bah oui, j'étais le petit du coin, le petit que tout le monde connaissait. J'avais la J'ai besace. déjà été arrêté par la police. Toi, arrêté par la police. Toi. Tu crois pas que je suis capable d'être délinquante? Je rigole. Ok, c'est vrai, c'est fou. Du coup, ça fait deux. J'ai déjà bouffé des insectes. Mais dis des trucs que je connais pas. Ça fait vraiment Des pitié. insectes. J'ai pas dit lequel. Des insectes. Même si, justement, Ah! comme t'as pas dit lequel, je peux le dire. C'est vrai. Parce que dans les mariages, j'essayais dans un mariage, une fois un mariage congolais, et ils servaient des chenilles. C'est bon la chenille. Voilà, donc je sais que t'as C'est mangé des bon la insectes. chenille. C'est vrai. Il faut goûter la Vrai ou chenille. faux? C'est vrai. Oui, mais en vrai, non, c'est une pub. Faut bouffer les chenilles. C'est bien les chenilles. C'est bon. Quand tu prends là, ça éclate. Arrête de dire des trucs. J'ai déjà séché une journée de cours. C'est vrai, c'était Pourquoi vrai, c'est vrai, vous l'avez. C'est Pourquoi tu vrai, rigolais? parce que c'est moi qui t'ai mis dans le droit chemin. Tu Pourquoi fais quoi là? Retourne en cours, sinon j'appelle ta maman. Malheureusement, c'est vrai, mais Témoigne. c'était de mon enfance. C'était de mon enfance. Ton enfance? Arrête Ton enfance? de dire. C'est pas bien, faut pas sécher les cours, parce que les cours c'est important.
à mon tour, j'ai déjà joué dans une équipe de troisième division. C'est vrai. Mais c'est vrai, moi je connais ta vie. Bon, ben, j'ai gagné 5, 3 je crois. Ou 4. C'est vrai ou faux? C'est faux! Bim! Ah, FC machin, machin. Ouvre bien tes oreilles là, que tes oreilles Ils ouvrent sont bien. grands ouverts. Écoute bien. J'écoute. Assimile bien mon information. J'assimile. Ok, t'es prêt? Je suis prête. T'es prêt? Prête. Ok. J'ai été ambianceur de soirée. C'est vrai. Tu t'ambiances toujours les soirées. Ce gars-là, en soirée, il a trois dans les danseurs professionnels. C'est dans les J'avais fait des gènes. vidéos. Non. Non, on parle pas de ça. Ok, je ne ferai pas de vidéo, ça reste. Ça, c'est Faudra. dans mes Si vous gènes. êtes un jour invité, vous allez le voir danser. Donc moi, je dis c'est vrai. Tu as déjà ambiancé des soirées. T'es sûr? Je suis sûre. T'es bien sûr? Je suis bien sûre. Bah figure-toi, madame. Que c'est faux! C'est faux! Parce que moi, quand je dis ambianceur, ambianceur pour moi, c'est le mec qui est là. Oula! Oula! Levez la main, allez, sautez, sautez! Attends, pourquoi il dit ça à chaque fois? Bah, pour mettre l'ambiance. Et pourquoi il me dit de sauter? Parce que quand tu sautes, t'as l'ambiance. On est où là? Sautez, sautez! Oula! Mais du coup, ça fait 5 pour toi et 5 pour moi. Tu as Non, égalisé. t'as 4, j'ai 5. Mais non, mon amour, j'ai J'ai eu aussi. gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Bon, alors, on va se calmer. En commentaire, dites-nous qui a gagné. Pour moi, on est à égalité et pour lui, il dit qu'il a gagné. Donc, je vous laisse mettre en commentaire. Mais selon moi, on est à égalité ou sinon, j'ai gagné. Mais je dirais qu'on est à égalité. T'as pas gagné. Avant de te quitter, j'ai une petite question. Francis. Oui, madame. Qui es-tu? Qui es-tu, toi? Toi, tu poses des questions. Qui es-tu, ma? Qui es-tu, toi? Francis, qui es-tu? Bah, Francis. Ok, mais je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas juste Francis. Oh. Ah ouais, Ah et bon? c'est la Bible qui le dit. Et toi qui regardes la vidéo, ce que je veux dire là, c'est ton identité en Christ. Et c'est la Bible qui le dit. Je mettrai les références bibliques juste en bas de Francis. Voilà, et voilà, juste pour que tu appuies ce que j'ai dit. Donc, il faut que tu saches que, premièrement, tu es choisi par Dieu. Deuxièmement, tu fais partie du corps du Christ. Troisièmement, tu es héritier du Seigneur. Quatrièmement, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Cinquièmement, tu es ami de Christ. Tu n'es pas juste sa créature, tu es aussi son ami si tu l'as choisi et si tu l'as accepté, bien évidemment, dans ton cœur. Sixièmement, tu es citoyen du ciel. Aïe, aïe, aïe. Tu es un céleste. Tu vois, tu es un céleste, tu n'es pas un terrestre, tu es un céleste. Septièmement, tu es enfant de Dieu. C'est ce que je viens de te dire là, c'est ce que Dieu dit de toi. Et si tu l'as accepté dans ta vie, si Jésus est le maître de ta vie, alors en Amen. effet, tu es tout cela. Et si toi qui n'as peut-être pas encore accepté Jésus, tu aimerais bah, vivre, je t'invite donc du coup à accepter le Seigneur Jésus et à prendre plaisir, à profiter en fait de cette personne que tu es en Christ. Amen. Tu savais que tu étais tout ça en Christ. Je savais, mais c'est toujours bien de me le rappeler. C'est vrai, c'est toujours bien de se rappeler de ça. En tout cas, on espère que la vidéo t'a plu, que tu as pu rigoler et n'oublie pas parce que vraiment il y a un conflit là. Qui a gagné, qui a perdu? C'est moi qui gagnais, quand tout le monde le sait, c'est moi qui gagne, c'est moi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas non plus à commenter, à t'abonner, à partager la vidéo à ton entourage. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, Bisous, bisous. bisous, bisous. Abonne-toi. 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 Abonne-toi et abonne-toi et abonne-toi et abonne-toi et abonne-toi.